tout le monde, bienvenue sur la chaîne Old American Road. Aujourd'hui, une vidéo dans la chevelle. C'est la première fois depuis un bon moment que je peux vraiment la sortir, l'essayer après avoir remplacé la boîte. Donc voilà, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous donner mes ressentis en direct. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais faire le tirage au sort du concours que j'ai fait sur les réseaux sociaux pour gagner la plaque de Californie. On fait ça à la fin de la vidéo. En attendant, on cruise. Bah, c'est un grand plaisir quand même de pouvoir la reconduire à nouveau pour de bon. C'est agréable, le glouglou du V8, le plaisir de cruiser. Bon, il y a encore quand même quelques réglages à faire au niveau du moteur. J'entends une petite vibration quelque part là. Je sais pas ce que c'est, faudra que je regarde. En tout cas, c'est sympa, les vitesses passent très bien. Ça passe vraiment smooth. C'est très agréable. Et c'est ce son. Et ça aurait été dommage de ne pas profiter d'une belle journée comme aujourd'hui là. Pour se balader sur les routes de campagne. Et j'ai refait le plein. Ça faisait un an et demi à peu près qu'elle n'avait pas vu une station essence. C'est pour vous dire. Mais bon, après, il y a quand même toujours un petit stress après tant de temps, après quand on a eu des couilles comme ça. Il faut retrouver confiance en la bête. Ça va aller petit à petit. Une voiture classique, c'est un peu comme une femme. Quand on est un homme, qu'on est avec une femme, ou une femme qui est avec une femme, une femme qui est avec un homme, bref. C'est une histoire d'amour, il y a des hauts, des bas. Un homme avec un homme. Je l'ai pas dit? Je crois pas. Ah, bref, pareil. Un chien avec un chat. C'est comme une histoire d'amour, il y a des hauts, des bas. Des fois, ça clash complet, il faut le temps de retrouver confiance, de se reconquérir, faut se bichonner. Voilà, c'est... Mais bon, après, au final, ce n'est que du plaisir. Oh, TER. Voilà les amis, bon, c'était juste histoire de marquer le coup. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'American Trip. D'ici là, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager les vidéos, partager la chaîne pour qu'elle soit connue un peu plus. C'est super compliqué de faire connaître une chaîne de nos jours. Voilà. Partagez les vidéos avec tous vos amis passionnés de voitures américaines. J'espère faire de plus en plus d'essais de voitures. C'est compliqué parce que ça prend vachement de temps de monter les vidéos. On se retrouve tout à l'heure pour le tirage au sort. Enfin, tout à l'heure, dans quelques minutes, dans quelques secondes. Chez moi, ça prend du temps, mais vous, c'est un claquement de doigts et c'est fait. Donc en attendant, ben, on profite du son du V8. Voilà, ça c'est agréable. Bon, allez. Je vais claquer les doigts et on va faire le tirage au sort. Soyez prêts. 3, 2, 1. Et voilà. Je vous l'avais dit, un claquement de doigts, c'était bon. Donc, dans ce superbe enjoliveur, shaker, saladier, gamelle pour chien, ce que vous voulez, j'ai les noms des participants. Voilà. Et donc je vais en tirer un au sort et il gagnera la plaque qui est ici, de Californie. Et pour ceux qui n'ont pas les réseaux sociaux, qui ne sont pas encore allés, je vous conseille d'y aller, de vous abonner à la page Old American Road, sur Instagram aussi. Il y a des petits concours, il y a un peu de tout. Suspense. Alors, ça va être qui? Attention. C'est... Grégory Chaudot. Voilà, c'est toi. Donc contacte-moi, t'es dans le groupe en plus, contacte-moi directement par Messenger, par le groupe. Je t'envoie la plaque, tu me donnes ton... Pourquoi tu chouines, toi? Qu'est-ce qu'il y a?
Il est pas content parce qu'il voulait gagner la plaque. Hein? Déjà la dernière fois, tu étais censé l'avoir. Voilà. Des papiers partout dans ce garage. Voilà, bref, cette vidéo est finie. On se retrouve très bientôt. À bientôt tout le monde. Mets ton chapeau. Mets ton chapeau. Ce chien n'aime pas le chrome.